pense que Linoa, elle a ce qu'il faut. Lui, il est bon aussi. Ouh. Elle a quoi comme stat, en fait, la GeForce? Elle a psy ou un truc comme ça, je crois. Oui. Ouais. Bon bah, le choix est fait. Voilà. Ouh. On peut peut-être regarder les capacités des deux autres. Et ils ont des... Là, ils sont tous full en première page. Non, c'est mieux. Ouais. Je parlais en capacité associée, tu sais, de... Par exemple, du magie 20, des trucs comme ça. Oui, je suis casse-couille. Désolé, les gens, je peux perdre du temps, tout ça. Mais j'aime bien savoir... De toute façon, on n'a rien gagné de plus pour l'instant. Non. Alors, on a les cartes, mais ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Si, ça sert à rien, si. Je suis désolé, ça sert à rien. Si, si, ça sert à transformer des monstres en cartes pour ensuite transformer les cartes en objets et se faire 20 000 giles avec... En 4 heures. Hein, t'es fou. Non mais c'est long, faut d'abord farmer les mobs, après faut... Enfin, alors les objets, voilà quoi. Non mais ça pourrait être un futur farm en live par exemple. Oh, tu le feras tout seul. Tu le feras tout seul celui-là. D'autres choses à foutre que de fabriquer des cartes. Non, faut les compter. Compter les cartes. Casse-moi, casse-moi. Si, si, si. Hey vieux, le groupe CC, t'as pas encore défié? Attends un peu, je t'ai déjà parlé du groupe CC? Non. Il existe un club de cartes connu sous le nom de groupe CC. Et c'est comme le groupe SS, mais avec des cartes. Oh mon dieu. C'est une bande de malades. Toujours à la fin d'une bonne partie. Quoi? C'est la fistinière ou quoi? Une partie fine? Pour les amateurs, ça... c'est un honneur quand le groupe CC vient de dévier pour jouer aux cartes. Il est là le point de sauvegarde? Non, mais il y a des pop, laissez-moi tranquille. Donc le groupe CC, on y viendra par la suite. Non, pour pouvoir avoir toutes les cartes du jeu, il faut les battre avant le CD3, si je me rappelle bien. Ou à part... Ou juste avant la fin du CD3. Je sais plus. Mais en gros, on a une limite, parce qu'après, on pourra plus avoir accès à tous les membres. Comment j'explique sans spoil, c'est un truc de fou. Je suis trop fort. Merde. C'est pas par là. Infirmerie, c'est ça. Infirmerie, ouais. Quelle mémoire, Scloud. Quelle mémoire. Ah oui, nous sommes des pantins. Scloud. Quoi? J'ai rien compris. Ta gueule, Barrett. Hein? Quoi? Fait tellement chaud chez moi. C'est d'ailleurs, sans... c'est inadmettable. Oui, j'adore ce mot. Ouais, parce qu'il y a maître dedans. Oui. Bah non, l'infirmerie c'est en dessous. Je sais pas moi. Ils auraient pas pu mettre une voyons. Putain de croix rouge. Mais voyons. Mais voyons. Enfin, maître Link. Il fait 24. Mais chez moi, dans ma chambre, il doit faire au moins 30. Tu dois voir Sid. Ça presse pas. Oui, tout de suite. En fait, le proviseur est... aux toilettes. Ah, oh, madame Kawasaki. Ça va, je vais bien. En êtes-vous sûr? Mais pas un examen de la prostate? Oh, peut-être plus tard. Enfin bon, on doit réagir et vite. Allez-y, doucement. Oh. Il en a gros. Sur le cœur. Oh putain. Ouvrez-y, ton en a gros. Bon. Vous me voyez un peu dans une situation un poil délicate. Un poil comment? Délicate. De quoi tu veux qu'on cause? Faire mon rapport. Je dois vous faire mon rapport, monsieur! Oui, ben je t'en prie. Enfin bon, c'est pas trop nécessaire, j'imagine bien ce qu'il y a bu, bien ce qui s'est passé, bien. Ben quoi, ça sert de faire des rapports alors, putain, bordel la cul! Oh, tu veux... De quoi, qu'est-ce que tu veux qu'on cause?
la vraie mission du CID. Ce Safer, il m'a torturé à coups d'éclair dans les fesses. J'ai pas trop aimé, j'avais pas de réponse en plus. Toujours détresse, monsieur. Bon, c'est très simple. Bien sûr, mais... Les CID sont des mercenaires. L'élite des forces armées de Balombe. Oui, bah ça, je sais. Bon, il dirait que t'es en train de réaliser quelque chose. Ça va, je le savais déjà, ça, putain. C'est un peu à l'entrée de l'école. Bon. Le CID doit vaincre la sorcière. C'est la en lui bourrant la gueule. Exactement. C'est la fonction de la BU. Les missions à travers le monde n'étaient que des entraînements en vue d'affronter ce fléau. Tu veux dire comme Pokémon? Enfin, on parcourt le monde, on prend les badges, et après, il y a le conseil des quatre avec que des dragons à chaque fois. Non. Enfin bon, aujourd'hui, cette menace est vraiment devenue réelle. La guerre a commencé comme en Afghanistan. Oh mon dieu! Mais on n'a pas de grotte pour ce qui est... Mais reviens, on n'a pas fini. Il sert ainsi direct, s'il n'avait pas le temps, quoi. Je suis vieux. De quoi tout ce que tu veux pour Cole? Parlez des DA. Parlez-moi de la prêtresse DA. On dit qu'elle est votre bien femme. C'est exact. Elle est magicienne depuis son enfance. Je le savais en me mariant avec elle. Mais elle est pas rousse. Oui, je sais, c'est étrange. Enfin bon, on était heureux, on travaillait ensemble. Un vrai couple modèle. Puis un jour, Edea lança l'idée de créer la bulle et lui entraîner des signes. Pardon. Former des mercenaires, c'était un bon concept. Hein, franchement, moi, j'ai kiffé. Tous des orphelins et tout. Ouais, de la serre à canon gratuit, quoi. Mais bon, je me doutais pas qu'ils affronteraient un jour ma femme, quoi. Edea, elle, ben, elle le savait. Mais elle m'en a jamais rien dit. C'est terrible. Mais monsieur, mais c'est du masochisme! Et tiens, et si je recrutais des orphelins pour qu'ils me cassent la gueule quand ils seront plus grands? C'est pour ça que j'ai embauché. C'est pas un petit peu taré? Bah, de quoi tu veux qu'on colle? J'en ai marre de me répéter. C'est chiant, hein. Le grand maître Norg. Que savez-vous du grand maître Norg? Alors, il vient de la tribu Schumacher. Sa famille l'a rejeté. C'est parce qu'il est... C'est pas ce qu'il est. Non. On s'est rencontrés à un stage d'essai quand j'essayais de récolter les fonds pour l'école de l'université de l'UMP. Mon projet l'intéressait et grâce à sa contribution, l'université a vu le jour. Mais son aide ne suffisait pas. Les frais de gestion sont considérables. On a dû engager 3 comptables. Alors, on a lancé nos CID à travers le monde, moyennant une contribution pécuniaire, bien sûr. Mais si. On a dû embaucher 3 comptables gobelins. Norg avait raison au sujet de la valeur commerciale des CID. Vous êtes des biens. L'université fut rapidement submergée de capitaux. C'est des Diamond Dogs. C'est alors que l'esprit de la BU a changé. Nos idéaux, si purs, si honnêtes, se dégradèrent ainsi. C'est probablement de ma faute. J'ai laissé la situation empirer et me suis laissé envahir par le capitalisme. Bon, enfin, je sais pas vraiment si c'est pur et honnête d'engager des orphelins en tant que mercenaires. Ouais, mais c'était pas cher. C'est un peu comme délocaliser en Chine, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Enfin, de quoi tu veux qu'on colle? Quoi qu'on fait maintenant, monsieur? Ben, pense-toi et tous. Bon, faut stopper cette dorille. Hein, ouais, il fait trop de blagues pour lui. Oui, il travaille sur jeuxvideo.com, il fait des blagues bizarres en ce moment. Je ne sais pas trop. J'espère seulement que c'est pas trop tard. Là. Ok, merci, monsieur. Bisous. Hey, de quoi tu veux qu'on colle? Qu'est-ce que c'est, une nouvelle blessure? C'est mon cœur est blessé, madame. Mon cœur est malade. Non. Toi, ça ne peut le guérir. Eh, va chercher des bretzels. Non, je déconne. On va finir le tour, hein. Allez, comme puce, après on ira au balcon. Oh. Je crois. Non, je sais plus, normalement il y a quelqu'un qui va nous dire ah, qu'est-ce qui se passe, il y a quelqu'un, machin. Pas cotillon. Parce qu'on a quand même vu la pétasse avec son écharpe verte. Que ça fait au moins 3 fois qu'on la voit dans le jeu.
ça commence à être chelou. Ah là, il y avait le Mystery qui nous fait un... Je m'inquiète pour mes parents, pas l'ambe. Je suppose qu'il faut savoir dire adieu. Ouais, ouais, ta gueule, le hippie. C'est ça. Oh, cette énorme banane. Oh mon dieu. Sinon, t'as pas besoin de te faire chier à faire le tour. Oh, regarde, dans l'école, j'oublie la totalité de mes cours. Non, l'océan, pas l'école. Non, mais c'est le bac, ça l'a traumatisé. Oh, bonjour, jolie jupette. J'adore. Vous êtes les Totally Spice? Ah non, il faut qu'il y en ait une qui soit blonde. Merde. Fuck. Tu veux pas signer notre pétition? Eh, vous faire foutre, bande de hippies! Donc ouais, pas besoin de faire le tour. Passez vos examens comme les autres! N'empêche, que foutez un choco-légume à la cafétéria? Pourquoi pas? Ça, faut repasser devant l'ascenseur pour qu'il y ait un event, non? Faut aller tout en haut. Ah. Squall! Squall! C'est bien! C'est bien? Non, dérapage contrôlé. Tu as vu le proviseur? Oui, oh, il est dans ton cul. Infirmerie. Il y a un problème! Va sur le pont du premier étage bleu. Et regarde toi-même, un vaisseau arrive. Oh putain. Elle plaît. Ça pourrait être des galbagiens. On pourrait. Au pire, l'ascenseur est peut-être à bord. Et va nous attaquer. Je dois aller prévenir le proviseur. Montre-moi sur la carte. Déjà, trouve la carte dans mon sac. Et après, montre-moi sur la... Quel type de bière dois-je choisir? Oh mon dieu. Deuxième étage. Allez, elle appuie sur le bouton. Heureusement que c'est pas l'ascenseur de MGS1. Avec les surprises à l'intérieur. Il était très bien. Surtout quand t'avais le costume de James Bond. Certes. Faut que t'ailles sur le balcon. Ah mais... Si je m'en rappelle bien. J'appelle à toute ma mémoire. Quoi, comment ça, c'est pas crédible? Arrêtez. Calmez-vous. Y a mettez la mémoire. Calmez-vous. Premier étage, on joue aux cartes avec le hippie du balcon, du pont. Merde, il a sauté. Oh le con. Ça va, y a de l'eau en dessous, c'est pas grave. D'être en train de flotter entre deux fonds. Bonjour. Son billet vachement en cours, quand même. C'est la mode à Balambe. Il fait chaud. Ça nous fait prendre l'air un petit peu. Dégueulasse. Un vaisseau de Galbadia. C'est quand même vachement bizarre, une fois. Je t'en prie. Proviseur, êtes-vous là, quoi? Il est pas là. Vous êtes de Galbadia? Les mecs, ils ont des fusils d'assaut dans le dos. Vous êtes de Galbadia? Non, quoi, on est des Cid. Ça, c'est le vaisseau des EDA. On est les Cid d'EDA, quoi. Les Cid d'EDA? Mais ouais, what quoi. The fucking fuck? Oh. On va aborder. On n'a pas d'armes, quoi. Nous non plus! On monte pas de blanche, quoi. Moi, je veux dire, voilà. On n'a pas d'armes! Non, mais mes amis, quoi, on vient en paix, quoi. Eh! Faire tourner la bœuf, ouais. Tiens, prends ça, gros. On doit parler à Cid, quoi, le proviseur, quoi. Il est où, quoi? Ah, je suis là. Faites gaffe, monsieur, ils ont pas d'armes, mais c'est pas sûr. On vient chercher le Tétone, quoi. Elle est pas en sécurité ici, quoi. Ah, je vois. Mais malheureusement, vous avez raison. Hein, quoi? Elon, cette fille de Winil, que... Ah! Squall, tu connais Elon? Elle est quelque part dans l'école. Trouve-la, veux-tu? Au pire, demande à Sue. Mais qui sont tous ces gens? Laissez ma BGU tranquille, bordel. Squall? Attends, je me parle tout seul!
ne m'interromps pas quand je me parle tout seul. J'ai compris, monsieur. Ya! Bah, viens dire, on va boire une bière, on s'en fout d'Elon. C'est quoi, Elon? C'est cette fille, hein? Tu sais, cette gosse que la Gouda protège. C'est possible. Mais ouais, elle est où? Dans ton cul. C'est par où? Et trouvons-la! Dis, Squall, qui est Elon? Mon ex. T'es vraiment pas sympa. Une enfant dans notre vie parallèle. Quoi, t'as une double vie? Mais t'es un salaud! Elle a rien compris, cette connasse. Alors, rage quitte. Alors, rage quitte l'écran, quoi. Mais monsieur! Tu veux pas jouer aux cartes? Sors ton carton, là! Je suis sûr que t'es là, je suis sûr qu'il y a un carton pas loin. En fait, je profite de ce moment de pause un petit peu dans le métier pour un peu courir partout pour vous demander. Je fais un Kickstarter en ce moment, qui est facilement trouvable sur mon Twitter pour avoir un briquet. Si vous voulez m'aider à financer à hauteur de 3 500 €. C'est un gros briquet. Voilà, c'est un bon briquet. Là, tu peux acheter un lance-flamme avec. De marque allemande. Super briquet. C'est bon, parce que moi j'en ai plein et je fume pas, donc... C'est con. Ah mais dans le coup, c'est moi qui devrais faire Elon. Bah non, c'est moi. Non, parce qu'elle est plus... Elle est plus gamine, tu vois, c'est... Ouais, c'est... D'accord. C'est comme dans les films, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. T'as Hans Gruber, il fait la petite gamine quand elle a 5 ans, et... Et Ian McKellen, il l'a fait quand elle a 23 ans. David Letter et... Oui, Squall. Oui, j'ai un peu changé de voix depuis tout à l'heure, j'ai pris de mauvaises nouvelles. Tu es Elon? Évidemment. Élémentaire, mon cher Squallou. C'est toi, Elon? Oui, je viens de te le dire. Sona Bacana. Alors, tu connais Laguna? Oui, c'est plutôt pratique, mais je préfère la Modus. Quoi? Évidemment, c'est mon angle préféré. Alors raconte-moi, c'est quoi ces rêves que nous avons tous? C'est un genre d'illusion de groupe, d'hallucination, champignonique? Désolé Squall, c'est difficile à expliquer. Je peux seulement te dire que... Il s'agit du passé. Sans blague! On a voyagé dans le temps. Marty? C'est pas le pied. On dit que le passé est immuable, mais... S'il existe, c'est la moindre chance. Il faut la tenter. Modifier le passé, elle plaisante. C'est impossible. Tu es derrière tout ça. C'est toi qui nous amène dans ce monde parallèle. Excuse-moi. Non, il y a tant de choses que je ne comprends pas. Mais pourquoi moi? J'ai assez de problèmes comme ça. L'acné, la croissance... Doctissimo, ne mêle pas cette histoire. Excuse-moi. Oh merde, elle a bugué. Non, ne compte pas sur moi, je... Blah. Squall, tu as trouvé Elon. Bien joué. Oh, ma sœur de voix. Je suis Elon. Well done. Bonjour. Bien, montre-moi sur l'écran où est Squall. Tu vas bien? Elle a un petit chandail de toute beauté. Elle en a besoin de moi, ça se voit. Mais elle a des chaussures jaunes, je ne peux pas. Je suis son seul espoir. Elon Kenobi. Ne jamais dépendre des autres. Ouais, quoi, bienvenue, quoi. Ouais. Protégez-moi seul. C'est la règle. C'est mon indo. C'est cool, quoi. Viens sur le bateau, quoi. Ouais. Je suis seul responsable de ce qui m'est arrivé. Un jour, je serai roi pirate Cid. Oui. Et bisous. Non, pas Cid comme ça. Quand j'étais enfant, les autres, les adultes, régissaient ma vie. Un peu comme...
comme un état totalitariste. J'en ai vraiment souffert, malgré ce vaisseau complètement craqué. Putain, il est beau. Il s'aime pas. Bon, il a des nageoires, mais il s'aime pas. Mais c'est ça qui est beau. Il a une grosse queue, c'est très bizarre. En fait, on dirait un aspirateur de table. Ou un vaisseau Naboo. De table. Ouais. Quand j'étais gosse, j'avais besoin des autres. Torcher les fesses, pour manger ma compote. Ma purée. Oui, aussi. Mais la compote, c'est mieux, c'est pas chaud. Maintenant, c'est différent. J'ai tous les atouts pour survivre. Ah oui, je ne suis plus un enfant. La compote, ça fait tousser. Et quel menteur le fait. Je ne sais rien. I know nothing. Je suis complètement Jon Snow. Je ne veux dépendre de personne, mais... Mais il faut quand même une mutuelle. Je vais devoir un jour décider si je veux être seul pour toujours ou pas. Lelon! C'est quand il était petit, il avait déjà une voix trop dark. Lelon, je suis tout seul. Je vais être courageux. Par contre, cette voix, elle fait mal. C'est le pig. Je vais me débrouiller. Ça va être pire. Bah, il mue. Non, Squall, il mue pas. Ah oui. Il est dark. Je vais me débrouiller sans Lelon, tout va bien se passer, bordel à cul. C'est jamais jeune, en fait. Parce que là, tu vois, il a une voix dark, mais il a un peu de voix comme ça, quand même. C'est pas très gourel. Re, salut. Re, ça va? Je dormais pas. Bah attends, tu ronflais comme un pochetron, là. Pourtant, tu parlais dans ton sommeil. Prouve-le. Je te dirai pas ce que tu disais. Et si on allait se promener? Encore? Mais, tu... Encore? Sous ma gueule. Putain, mais t'as des pieds en béton ou quoi? C'était une visite guidée, là, ce sera une véritable balade. On fera dans l'autre sens. Tu peux y aller seul, ça craint rien maintenant. Mais j'ai pas besoin d'un garde du corps. Pourquoi es-tu si sombre? Je suis habillé en noir. Je suis un émo, quoi. Exactement. Merci de bien mettre les points sur les i, monsieur le curé. Oui, tout à fait. Vas-y, je me mute. Mais non, arrête, c'est bien, ça fait de l'ambiance dans la BGU. Ah, allez, tous en poil. Je veux pas savoir avec quoi il frappe sur la cloche. C'est les soirées au diocèse. Avec ça. Vas-y, sonne-moi la cloche. Et pourquoi t'amuses-tu pas un peu? Mais je m'amuse là, ça se voit quand même. C'est pas bon de trop cogiter. Après tu deviens homme politique. Ce que j'essaie de te dire, c'est que j'ai très très faim. Ok, alors je serais honoré de vous tenir compagnie, votre Altesse. Hein, j'espère être digne de l'honneur que vous me feriez en acceptant, ok? Alors, votre Altesse, tu bouges ton cul ou pas? Bon, allez, d'accord. C'est débile, cette connerie, putain, fais chier, merde. Très bien, ma bonne dame. Oh, il y a justement une fleur de lys par terre. Merci, votre Altesse. Allons-y de ce pas. Allons-y! On va sauvegarder. Peut-être que si on fait un petit somme, elle dort avec nous. Enfin, pour la soigner. Oui, ça marche. Mazel tov. Sauvage. On va continuer un petit peu. Je vous le remets un petit coup. Hein. Oui. Ah mais il est à fond quoi. J'aime les cloches. Triste superstar quoi. Bonjour à tous, c'est le proviseur qui vous parle dans cet élan religieux. Je suis heureux, oh oui, de vous annoncer que les réseaux sociaux ont été réparés. Vous pouvez désormais accéder à nos Twitter /Minotaurès et Twitter /Trunkanvideo. Non, Trunkanfr, merde. C'est pas ça en plus. Non, bon c'est pas grave. Est-ce que le prêtre derrière avec sa putain de cloche, il pourrait fermer sa gueule? Oula. C'est l'appel à la prière de Cid. Ah putain, on pourrait pas choisir un autre moment, sérieusement.
Ça tue pas une taille. Oh, I just want a little fish. Oh mon dieu, un pêcheur de Game of Thrones. Pardon. J'ai eu mon permis que hier. What the fuck? What the shit? Get out of my way! Oh. C'est bien le moment. Putain, oh putain! Ah, ah non, un gardo! Oh mon dieu! Putain, un gardon tout neuf! Désolé! Chaud devant! Putain, mais ça me gonfle. Squall, ici Kramer. Toujours en direct de l'église. C'est l'alerte collision, en fait. Viens sur la plateforme de contrôle immédiatement, je perds le contrôle. J'ai tout pété. J'ai tué un pêcheur. La cloche sonne. Cela dit, dans les anciens, sur Titanic, il y avait une cloche à sonner et tout. Oui, comme on l'a vu dans l'épisode dernier. Celui d'avant, parce que je sais pas comment je vais faire le montage. Veuillez tous garder votre calme. Cette cloche est bientôt sous contrôle. Vous ne devez quitter la BGU sous aucun prétexte sans autorisation. Sous prétexte d'être abattu à la sortie. Nous allons remettre les choses en ordre. Merci de votre coopération, je coupe. Ah, c'est tellement épique la cloche à ce moment-là. C'est génial. Ah, Squall, merci d'être venu. Voici les ordres. On a Altéri à horizon. Tu dois... Ta gueule. Tu dois te rendre à terre avec Gleil et Linoa. Trouve le maire et dis-lui que nous venons en paix, que c'était un accident et qu'on recherche quelqu'un pour défoncer ce connard de prêtre. Profitant pour jeter un coup d'œil à la ville. Il paraît que c'est très joli au mois de mai. Bien, monsieur. Ah, je crois que ça se calme. Pourquoi je devrais y aller, putain? Demande au curé. Est-ce que tu as des questions, maintenant que c'est un peu plus posé? Est-ce qu'on peut remettre la cloche? Non. Bon, c'est pas qu'un soldat d'élite. Hein. Tu dois aussi avoir la tête bien faite. Et comme Michael Vendetta. Oui. Ouvre son esprit au monde, Squall. Sois aware. J'attends beaucoup... J'attends beaucoup de toi, tu sais. Parce que moi, je n'ai qu'une seule philosophie. Non, pars maintenant, je t'en prie. C'est mieux. Médite. Normalement, c'est toi qui devrais sortir, Sid. Mais lui, il est trop pime, tu vois, c'est pas lui qui sort, c'est les gens qui s'en vont. Alors, on va à Horizon. On va voir les noobs et tout. On est là. Merci, j'ai vu. T'es un peu en bleu turquoise, quoi. C'est... Comme on est rentré en collision avec Horizon, on va aller s'excuser. Et puis, tant qu'à faire, on prendra des photos de la ville pour faire de la copie comme les Chinois. Les portes de la ville sont fermées. Mais bon, de toute façon, vu qu'on a défoncé la moitié du quartier, on peut sauter. Hein. Voilà, c'est ça, pour du premier niveau, permet de rejoindre Horizon. T'es bien foutu, hein. C'est mon père et ma... Ta gueule, Zel. Cette cloche. Voyons. Premier étage. Je tiens vraiment à dire que je suis désolé pour le... Non, moi j'ai trouvé que ça allait très très bien, justement, c'était épique. Ouais. Alerte, on est rentré en collision avec Horizon. Oh putain, ce roleplay, quoi. Ce prêtre totalement roleplay. Je devrais le payer. Et mec, on tourne dans 5 minutes, est-ce que tu peux mettre un coup de cloche d'ici un quart d'heure? Oh, je me demande ce qui peut arriver si je pousse cette porte, c'est écrit, ne pas ouvrir. Intriguant, non? Il y a peut-être un creeper derrière, fais gaffe. C'est quoi un creeper? Ta gueule. Tu sauras bien assez tôt. Va voir Squeezie. Et voilà! Oh, ils ont, il y a une règle qu'il ne faut jamais oublier. Ah bon? D'accord. Eh, hey, on a perdu Monsieur Torres. Il est interdit de se battre dans la ville. Toute attaque sera sévèrement sanctionnée avec un tirage de joue. Heureux. Merci. Vous avez bien compris? Oui. Donc, Mino a un petit souci de plantouillage. Ça arrive même au plus grand.
J'ai insulté le prêtre et Dieu m'a puni. C'est ça, la foudre divine d'Internet. Nous sommes membres de la BGU. Nos intentions sont pacifiques, même si bon, nous sommes des mercenaires, mais ça... Bref. Bienvenue dans la splendide ville archipel d'Horizon. Je vous conseille d'aller voir le maire, sa maison est au centre-ville. Il connaît Horizon comme personne. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Je crois. Parfait, très bonne initiative. Sinon, de toute façon, on vous laisse pas passer. J'ai mal à la gorge. Quel désastre! Oh, je suis réellement désolé. Nous avons perdu le contrôle du vaisseau et après un prêtre s'est mis à devenir fou et... C'est pas si grave, au moins personne n'a été blessé. En plus, on adore les réparations, nous, à Lisbonne. Détendez-vous et amusez-vous bien. Alors le mec avait quand même un uniforme galvadien. Mais non, il a une équipe de sport, oui, une équipe de baseball. Oui. Ah bon, on n'avait plus de modèle 3D, écoute. Hein. Edith, c'est l'université de Ballon, non? C'est marqué dessus. Et comment le savez-vous? D'après ces inscriptions murales. Ouais, donc c'est marqué dessus. On s'est occupé longtemps de la peinture il y a très longtemps. C'était le bon temps. J'avais encore un short à l'époque. Et dites bonjour au maire de ma part. On y va. Le mec a pas dit son nom. Bonjour de Random PNJ 8. C'est ça, le mec à la casquette. C'est joli. Et donc Horizon, c'est une assiette. Voilà. Basiquement, c'est un plat à couscous, quoi. Et il paraît que la BGU a dérapé dans l'eau. Faut faire attention, les gars. Eh putain, vous avez jamais joué à Gran Turismo ou quoi? Merci, papy. Mais c'est Sid aussi, il est bourré. C'est vrai que la musique est cool, je me rappelais pas. Oui. Ça fait un peu... une petite île. Vous descendre? Quoi? Oui. Très bon. Oh, tu serais pas issu de l'immigration, toi? Moi, pas savoir quoi vous dire. Vous allez dans Ishtar? Non. Pas Ishtar, non. Ishtar, plutôt, peut-être. Je ne sais pas. Ville ultra techno, très fameux. Au-delà, voie féreuse du train. Pas aller, hein. Beaucoup ont visité le bel endroit. Toute façon, plus train. Marcher seulement, fatigant, ça oui. Enfin, vous venir à cause badaboum. Pas faire touriste, hein. Salut. Quoi? Ok, montez dedans. Leave me alone, mec. Leave me alone. Le PNJ était excellent. Les gens, ils parlent tous normalement, puis lui, ouais, vous montez, hein. Quoi? Oh, tu serais pas le fils un petit peu simplet du maire? Celui qui adore les papillons et les bâtons en plastique. Tu te souviens plus de moi? On s'est vu à l'entrée du vaisseau. Putain, ça fait 2 minutes. Je comprends rien. Désolé, j'ai une mémoire extrêmement sélective. Si tu n'as pas d'histoire dans le jeu, je t'oublie. Incroyable! Mon frère et moi, on est chargé de manœuvrer cet ascenseur. Ouais. T'as vu mon frère, non? Trouve pas qu'on se ressemble? Mais vos vêtements sont versés, lui il a une casquette. Quand même, quoi. Bon, c'est pas grave. Dis-moi juste quand tu voudras remonter. Jamais! Si c'est toi qui actionne, jamais. Salut, PNJ numéro 12. Ah, Villasso numéro 3, pardon. Et tu serais pas du site, toi? C'est le cas. Et en fait, t'es un mercenaire. Et ça te plaît comme genre de vie, ça? Tu aides des gens pour de l'argent? Hein? Ah, t'as pas d'âme, en fait. T'as pas de conscience. Cherche la bagarre ou quoi, cet enculé? Cherche pas la bagarre, hein? Mais si t'es heureux comme ça, c'est le principal. Hein? Mercenaire. Pense exactement comme moi. Alors pourquoi suis-je furieux? Peut-être que je vais lui piquer son blouson. Et toi? La maison du maire est... Non, il n'y a pas de nom, lui. La maison du maire bleu est là-bas. Ah, effectivement. Toute seule au milieu de cet énorme radar. Des panneaux solaires. Putain, il doit avoir chaud. Des panneaux solaires et des éoliennes, au cas où.
Au cas où il y a des nuages. Ici, à Horizon, vite technologique, nous prenons en compte tout événement climatique. L'énergie est au centre de notre vie. L'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique. Comme ça, on n'achète rien aux autres. Oui, parce qu'en fait, c'est une ville neutre, hein, complètement. Ils sont complètement en Suisse, les mecs. Et donc, on va se quitter là, parce que ça fait quand même deux putains d'heures qu'on tourne, et que après le prêtre et le plantage, je pense qu'on va faire une pause un peu. Je pense que c'est des signes, j'ai l'impression. Dieu nous en veut, donc... Arrêtons de... Voilà, c'est ça. Pendant qu'on a encore une save. Ce serait dommage. Donc on vous dit à la prochaine fois. Alors on sait pas trop quand ça va être diffusé, ça, parce qu'on a quand même... Ça va faire presque 8 épisodes d'avance en tout. Donc là on est sûrement au mois de septembre. Donc, non, peut-être pas. on sera fin juillet, je pense. À mon avis, cet été, on risque d'avoir un peu plus de mal pour tourner, je pense. Cause IRL, on va dire, hein, principalement. Oui. Donc, on a fait beaucoup d'avance. Et on sait pas si on va continuer direct après. Hein. Donc, peut-être que vous aurez une semaine ou deux, peut-être, de battement. Ou pas du tout, hein, si on est des gros malades. Mais bon, faut qu'on se repose aussi de temps en temps. donc voilà, n'ayez pas peur s'il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine. Ou... Voilà. Hein, ça peut arriver. Après tout, voilà, on n'a pas de network, hein, on n'est pas Cyprien Gaming, quoi. Hein. Ouais. On n'est pas des pros. On n'a pas une obligation de contenu. Ouais, on n'est pas payé, quoi. Non, on est bénévole YouTube. YouTubeur bénévole, je vais mettre ça sur ma bannière. On va sortir un nouveau concept. Des bisous. Des bisous.